Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Adoption aujourd'hui en Conseil de gouvernement du projet de loi concernant l'autorisation de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques et médicales. L'idée est de reconvertir les cultures dévastatrices de l'environnement en activités légales, durables et génératrices d'emplois. Les détails dès le début de ce journal. L'opération de vaccination se poursuit dans de bonnes conditions et selon l'agenda fixé pour atteindre l'immunité collective. Un défi sanitaire d'envergure et une campagne vaccinale gratuite pour tous, marocains et étrangers résidant au Maroc. Nous le verrons avec les Espagnols établis à Tanger. Le 11 mars, c'est journée mondiale du rein sous le thème « La santé rénale partout et pour tous ». Ce soir, nous mettrons la lumière sur les souffrances endurées par les personnes atteintes d'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Au Maroc, ils sont un peu plus de 30 000 malades en hémodialyse. Bonsoir. Après plusieurs semaines d'examen et de débat, aujourd'hui en Conseil de gouvernement, le projet de loi concernant l'autorisation de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques et médicales a été adopté, tourné vers la promotion des filières du cannabis médical, cosmétique ou encore industriel. Le projet de loi sur l'usage légal de cette plante vise en fait à reconvertir les cultures dévastatrices, destructrices de l'environnement en des activités légales, durables et génératrices de valeur et d'emplois. Imane Hablou. Après les débats, le projet de loi 1321 est enfin adopté en Conseil de gouvernement. Le texte égrène les usages licites du cannabis. Un cadre légal est défini pour le développement des activités autorisées, sous conditions. Il s'agit de soumettre toutes les activités relatives à l'usage du cannabis à un système de dépénalisation et d'autorisation. Ces activités ont trait à la culture, à la production, à la commercialisation, à l'export et import. En vertu de la nouvelle loi, une agence nationale sera créée. Elle aura pour mission d'assurer le suivi et la coordination entre l'ensemble des départements gouvernementaux, des institutions publiques et les différents partenaires nationaux et internationaux pour développer une chaîne agricole et industrielle autour de l'usage légal du cannabis avec le renforcement des mécanismes de contrôle. L'objectif est double. Fixer les bonnes pratiques de culture, de production et de fabrication devant être respectées sur toute la chaîne de valeur afin d'assurer la conformité des produits nationaux avec les exigences internationales en la matière. Il est aussi question de développer un système coopératif ouvert aux cultivateurs. Les nouvelles dispositions permettront aux agriculteurs d'adhérer à des coopératives agricoles avec l'obligation de traiter les récoltes avec des sociétés autorisées d'industrialisation et d'export. De même, il y aura des sanctions à l'égard des contrevenants. Une démarche qui cadre avec la loi internationale sur cette substance, avec un usage strictement thérapeutique et industriel, en limitant la production au volume nécessaire pour l'aspect médical, pharmaceutique et industriel. Tout usage récréatif demeure interdit. Et lors de la réunion du Conseil du gouvernement, le chef du gouvernement a mis en avant les progrès remarquables du Maroc dans le domaine de l'autonomisation de la femme, socialement, économiquement et politiquement. On atteste les acquis constitutionnels depuis la Constitution de 2011 et les réformes législatives sur le terrain. Le Conseil du gouvernement a également examiné et approuvé un projet de loi se rapportant à l'accord cadre de coopération entre le Maroc et le Tchad dans les domaines de l'énergie et des mines, accord signé à Rabat le 26 octobre 2020. La République du Suriname a décidé d'ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat d'Arla. Annonce faite aujourd'hui à Rabat par le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale. Le responsable surinamais a également réitéré le soutien plein et entier de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que sa position inébranlable concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Le gouvernement de la République du Suriname réitère également son soutien au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc comme unique base pour une solution politique durable à ce différend artificiel. Et puis sachez que le Royaume du Maroc et la République du Suriname ont établi une feuille de route qui trace désormais les contours
de la coopération entre les deux pays. Cela couvre la période 2021-2024. Le tourisme, l'agriculture et les énergies renouvelables sont principalement concernés. Saluée de tous bords, aussi bien par les grandes capitales que les instances mondiales, la campagne vaccinale nationale se poursuit dans les quatre coins du royaume, dans d'excellentes conditions. Une organisation exemplaire qui érige le Maroc comme un modèle en la matière, aussi bien au plan continental que sur le plan mondial. L'opération est en plus gratuite pour tous, y compris les étrangers établis au Maroc. Exemple à Tanger, où réside une importante communauté d'Espagnols, avec ce reportage signé Anissa Boumhedi, Saïd Najib et Nisrine El-Hamdaoui pour le commentaire. Dans la bonne humeur, ces Espagnols résidant à Tanger s'apprêtent à se faire vacciner. Ils ont entendu parler de l'organisation de cette campagne exceptionnelle. Et aujourd'hui, ils constatent de visu les conditions optimales de son déroulement. Qui hace mucho tiempo que vivo en Tanger. Cela fait très longtemps que je vis au Maroc. Dans ce centre de vaccination, nous sommes reçus et traités sur le même pied d'égalité que les Marocains. Nous en sommes très satisfaits. Tout est impeccable à tous les niveaux. Que voulez-vous que je vous dise ? Chapeau pour le Maroc. Le protocole suivi par les autorités sanitaires et le plan de vaccination forcent l'admiration. La verdad es que es digno de admirar. Me ha sorprendido un poco porque esto funciona mucho mejor que en España. La vérité, j'ai été surpris par le niveau de la campagne de vaccination marocaine. Elle se déroule mieux qu'en Espagne. Notre pays donne l'air d'être plus moderne que ses voisins. La réalité est tout autre. Cela fait uniquement un mois que je vis au Maroc et je peux vous assurer que j'ai été agréablement surpris par cette organisation. Begoña Sanchez est enthousiaste à l'idée de se faire inoculer le précieux liquide. Elle fait partie des personnes vulnérables au virus. Le pas qu'elle vient de franchir la rassure. Le centre où ils m'ont vacciné est très bien. Le centre où je suis vaccinée est très bien. Vous savez, je souffre de troubles de coagulation sanguine. Actuellement, je suis sous traitement et donc je fais partie des personnes prioritaires pour la vaccination. Muy bien, estoy dentro del rango, me he podido vacunar y estoy muy contenta. 15 000 Espagnols vivent au Maroc. Tous bénéficieront de leur dose de vaccin par ordre de priorité fixé par les autorités sanitaires. Et justement, focus à présent sur les chiffres de la vaccination anti-Covid. 4 130 606 personnes se sont fait vacciner à ce jour, au moment où 972 079 autres ont reçu jusqu'ici leur deuxième injection. Et à présent, les indicateurs épidémiologiques maintenant, 464 nouveaux cas, c'est décès avec un taux de létalité qui se maintient à 1,8% et 519 nouvelles rémissions, fort heureusement. Et les cas actifs se chiffrent pour leur part à 4781. Le nombre des cas graves et critiques est de 412 pour sa part. Et puis, sachez que 25 personnes sont intubées et que 249 autres sont sous ventilation non invasive. Santé toujours et coup de projecteur à présent sur la santé rénale. En ce 11 mars, journée mondiale du Rhin, sous le thème « La santé rénale partout et pour tous ». Eh bien ce soir, nous mettons la lumière sur les souffrances endurées par les personnes atteintes justement d'insuffisance rénale, aiguë ou chronique. Au Maroc, ils sont un peu plus de 30 000 malades. On hémodialyse des patients pour qui la transplantation demeure le seul espoir de guérison. À Casablanca, le reportage de Sarah Katir, Ahmed Hemri et Marie Melmissi. Pour le commentaire. Une séance d'hémodialyse. Pendant plusieurs heures, ce patient atteint d'insuffisance rénale a recours à une épuration de sang. Le traitement est lent et pénible. Pour autant, il révolutionne l'espérance de vie des malades. L'hémodialyse est pénible. Une séance peut prendre des heures. C'est très handicapant. Mes perspectives sont assombries. Avant la maladie, j'étais plutôt sportif. J'ai dû arrêter mon activité physique. Ma qualité de vie s'est nettement détériorée. La transplantation rénale est la seule issue pour retrouver une vie normale. Une nouvelle vie fortement tributaire de la transplantation rénale.
Lorsqu'il est possible, la greffe apporte la meilleure modalité thérapeutique, avec en prime une espérance de vie prolongée pour les malades, même ceux au stade terminal. Nous sommes tous responsables, nous pouvons tous avoir besoin d'un organe et nous devons tous travailler pour ça, parce que la greffe c'est un sujet multifactoriel où s'implique la loi, la religion, la psychologie, la médecine, la société, etc. Et qu'on ne peut pas acheter des organes. Donc encourageons le don, ne restons pas en 1000 personnes inscrites sur le registre de dons. Il faut qu'on change les mentalités et qu'on aide ces gens qui meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas pu être greffés. Des patients dans l'attente de donneurs, un acte altruiste qui se fait rare. Seulement 500 transplantations sont opérées sous nos cieux, éloignant le spectre de retrouver une vie saine pour les 30 000 hémodialysés au Maroc. Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, Dr Rabia Baïhia, chef de service néphrologie, dialyse et transplantation rénale au CHU de Rabat. Dr Rabia, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, j'aimerais que l'on s'arrête, ne serait-ce que quelques instants, sur le thème retenu cette année, qui a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure pendant le reportage. Je le reprends. Bien vivre avec une maladie rénale, santé rénale pour tous et partout. D'abord, qu'est-ce que ce thème devrait évoquer pour nous tous? Comment est-ce qu'il devrait nous interpeller tous, docteur? Ce thème doit nous sensibiliser sur ces patients qui présentent une maladie rénale qui a complètement détruit les reins ou qui est en cours de destruction des reins, c'est-à-dire les patients qui ont une maladie rénale et les patients qui ont déjà une insuffisance rénale chronique terminales et qui sont sous traitement de suppléant, c'est-à-dire suppléer les reins, soit par la dialyse, nous savons qu'il y a deux méthodes, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, soit par la greffe rénale. Donc ces patients, il faut absolument être sensibilisés sur leur vie, sur le côté psychologique, même le côté matériel s'il le faut, le côté familial, et il faut les entourer et les aider de tous les côtés. Donc en plus, c'est du soutien psychologique. Nous relevons cette question de la greffe que vous avez évoquée, docteur. Justement, les pathologies rénales, de façon globale, posent avec acuité la question de la prise en charge en hémodialyse, mais pas seulement. Ça pose aussi la problématique de la greffe, qui est très courante ailleurs, sous d'autres cieux. Qu'en est-il au Maroc, un état des lieux sur la question, docteur, avec vous ce soir? Je commencerai par dire que maintenant, il est établi dans le monde entier que le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est la greffe rénale, puisqu'elle apporte les meilleurs résultats du côté médical et même du côté économique, puisque la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale a des coûts, et des coûts qui sont élevés. Qu'en est-il au Maroc? Au Maroc, on est en retard concernant cette discipline que vous venez de dire qu'elle est très développée dans le monde entier. Nous sommes à peine à 500 greffes rénales pour les 32 000 dialysés que nous avons. Il y a des études qui ont montré que pratiquement le tiers ou la moitié devraient être greffés. Pourquoi, à votre avis, cette réticence? C'est culturel? C'est culturel, c'est social, c'est aussi le manque d'informations. Le manque de promotion du don et de la greffe d'organes. Et surtout, le gros problème chez nous, c'est le manque de sensibilisation de la société concernant le don d'organes après la mort. Et là, c'est le meilleur message que je puisse donner à la population et aux compatriotes, c'est de se pencher, de réfléchir à ce problème. Et des pourtant, malades. Plusieurs campagnes sont lancées dans ce sens. C'est plusieurs campagnes sont lancées, mais les résultats ne sont pas du tout satisfaisants. Très bien, docteur. Cette journée mondiale est l'occasion de rappeler les dangers des pathologies rénales. Vous avez évoqué aussi la sensibilisation. Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser justement quant à la prévention cette fois-ci? Comment s'en protéger? Y a-t-il des moyens, des conseils que vous pouvez nous prodiguer ce soir pour nous protéger contre les pathologies rénales? Vous avez bien dit, parce que la maladie rénale, surtout quand elle arrive au stade terminal, elle est très lourde. Et ce qu'il faut, c'est aller de l'avant et la prévenir. Et la prévention passe par plusieurs points
qui sont très importants, qu'on peut énumérer et qui sont très utiles. Il faut boire de l'eau. Et par manque de temps, je ne peux pas tout expliquer parce que c'est, il faut vraiment boire de temps dans la journée, 1,5 litre, 2 litres. Mm-hmm. Il faut éviter le sel et le sucre, et on verra tout à l'heure pourquoi. Il faut éviter la cigarette, arrêter la cigarette. Il faut prendre sa tension artérielle régulièrement. Il faut faire sa glycémie, le sucre dans le sang régulièrement. Il faut avoir une activité physique. Il faut éviter de prendre des plantes, surtout quand c'est des mixtures et qu'on ne sait pas ce que c'est que la plante qu'on ingère. Il faut avoir une hygiène alimentaire parce que ça touche bien sûr le cœur, ça touche tout le système vasculaire, et le rein, justement, ce n'est qu'un vaisseau. Donc, il souffre aussi de tout ce qui est obésité quand on n'a pas, quand on respecte pas les mesures d'hygiène alimentaire, c'est-à-dire consommer les aliments qui sont pas délétères pour les vaisseaux, les fruits frais, les fruits secs, les légumes, le gras aussi. Éviter le gras et éviter surtout dans tout ça, éviter de prendre du poids, éviter l'obésité. Une hygiène de vie saine, éviter la sédentarité pour activité. Que le rein fonctionne bien, docteur. Oui. Comment le dire? Quand est-ce que c'est grave, docteur? Quels sont les signes qui peuvent alarmer pour se pencher vers un diagnostic précoce? Alors ça, c'est le problématique que pose la maladie rénale. Gonflement du visage, changement de la couleur de l'urine, plaît encore, docteur. Oui, ce qu'il faut dire pour faire attention et échapper à cette maladie, à la maladie des reins, c'est que c'est une maladie qui est silencieuse. Malheureusement, dans la plupart des cas, elle est silencieuse. Il y a quelques signes qui vont apparaître, comme vous avez dit, un gonflement au niveau du visage, des membres inférieurs, des douleurs au bas du dos. Les douleurs, c'est pas tellement, c'est les calculs qui donnent les douleurs, c'est l'augmentation de la tension artérielle, c'est les protéines dans les urines, mais il faudrait consulter pour que le médecin fasse la demande de l'analyse. Et ce sont pas des signes spécifiques du problème rénal. C'est pour ça que il faut faire attention, il faut dépister la maladie rénale. Entendu, docteur, juste très brièvement avant de clore cet entretien, parce qu'on a une contrainte liée au temps. Maintenant, pathologie rénale et Covid, quel lien? Est-ce que vous avez relevé une certaine réticence par rapport aux consultations en présentiel pendant cette période liée à la pandémie? Et puis, est-ce que les patients atteints d'insuffisance rénale doivent impérativement se faire vacciner? Très brièvement, docteur. Nous avons vécu difficilement cette période Covid-19 avec nos patients, les patients qui ont une maladie rénale, les patients dialysés, les patients greffés, et on a travaillé à distance avec eux. On a créé des groupes WhatsApp, des groupes par Internet, et on a travaillé avec eux et on les convoque à l'hôpital quand c'est vraiment vital et quand c'est nécessaire. Alors ces malades-là sont exposés plus à la maladie Covid et ils font des cas plus grave que la population générale. Et en plus, maintenant qu'il y a la vaccination, c'est une priorité pour la vaccination. On les vaccine tous à condition qu'ils soient sur le plan médical, qu'ils ne soient pas en train de faire un problème tel qu'une infection, et on reporte la vaccination. Mais la vaccination est indiquée pour ces patients. Vaccination et vigilance en parallèle. Vigilance. D'ailleurs, vous avez tenu à garder votre masque, docteur. Oui, on y voit un message. Oui. Merci. Merci à vous. Merci, docteur. Merci. Les importantes précipitations qui ont intéressé différentes régions bénéficient à plusieurs variétés agricoles. C'est le cas notamment de la betterave sucrière dans la province de Fraibensalah, par exemple, une filière dont le rendement peut atteindre 80 tonnes à l'hectare. Omar Jlaidi, Zakaria Mokinbillah et Iman Ablou. Nous sommes dans une exploitation agricole modèle de culture de la betterave à sucre. En cette période, les fruits sont en pleine croissance. Les préparatifs ont commencé dès la fin du mois d'octobre selon des procédés modernes, semi-mécaniques, opérations de traitement et de prévention mécanique et irrigation au goutte à goutte. Cette culture a bénéficié des différents types de traitements, engrais foliaires et engrais de couverture. Aujourd'hui, le fruit arrive à maturité. Son poids actuel dépasse 600 grammes. Depuis novembre dernier, d'importantes précipitations intéressent la région, une moyenne de 260 mm. Ces pluies ont eu des effets positifs sur les différents types de cultures, le couvert végétal et les pâturages.
Ce type de céréales automnales a un important rendement, plus de 95 taux par hectare. Les dernières précipitations ont été bénéfiques à toutes les variétés cultivées dans la région. Il a été procédé au semis de 590 000 hectares des céréales automnales, soit un taux de 95% du plan prédéterminé. 86 000 hectares sont plantés de cultures fourragères, 10 000 hectares pour la betterave sucrière, idem pour les légumineuses et 6 000 hectares pour les cultures maraîchères. Les récentes pluies ont également permis d'augmenter les réserves d'eau au niveau de la région Bnimel Al-Khnifra. Le taux de remplissage du barrage Bilwiden a progressé de 19 à 28% et de 13 à 35% pour le barrage Ahmed Al-Hansali. Pour les professionnels, la saison agricole s'annonce sous de bons auspices. Les pinceaux féminins à l'honneur à la galerie Mohamed Qassemi de Fès, la capitale spirituelle, abrite une exposition collective de 12 femmes artistes de différentes sensibilités. En fait, l'exposition donne à voir des tons chromatiques et des thématiques aussi riches que variées. Mustapha Zahiri, Zakaria Mokenbillah et Maryam El-Messi. La femme, sujet de créativité artistique et source d'inspiration prolifique. À travers des identités à la fois singulières et multiples, la femme marocaine a de tout temps su imposer sa personnalité. Si sa contribution à la société n'est plus approuvée, ses droits sont toujours revendiqués. Aujourd'hui, ce sont des artistes femmes qui tiennent à lui rendre hommage. C'est un honneur pour moi de représenter ma ville dans cette exposition collective. Ces œuvres sont une expression artistique et culturelle qui met en avant la culture et l'art au féminin. La célébration de la Journée mondiale des droits de la femme est une opportunité de rassemblement. La femme doit se battre, aller de l'avant et affirmer sa valeur et sa place dans la société. L'art au féminin est le thème de cette exposition collective. Les œuvres ont pour point commun d'utiliser des palettes chromatiques aux couleurs vives et joyeuses. Entre art abstrait et figuratif, les styles diffèrent, mais la finalité semble la même. Une ode à la joie de vivre et à la générosité. Dans ces tableaux, j'essaie de représenter la symbolique de la thématique de l'amour de la femme. Le premier tableau représente la paix, le deuxième, l'amour fort que la femme représente aussi, alors que le troisième allie les significations des deux premiers. Je participe avec des toiles qui reflètent les subtilités de l'art du Zellij. Je veux rendre hommage à cet artisanat authentique en ces temps difficiles de pandémie où l'artisan marocain est très affecté. Allier entre diverses occupations et productions picturales est un challenge réussi pour nos artistes. Les amateurs d'art plastique ont jusqu'au 20 de ce mois pour contempler ces œuvres à l'esthétique raffinée. C'est à la galerie Mohamed Qassemi de Fès. Et c'est le bel univers de nos femmes artistes qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.